Bonjour, très chers auditeurs et auditrices de la radio Sainte-Marie. Je suis Julienne et je vous accompagne chaque jour avec la méditation quotidienne, un moment avec Jésus chaque jour de l'année. Aujourd'hui, 12 mars, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « L'attente, la confiance et l'espérance sont trois étapes intimement liées à l'image de trois filaments d'or enroulés l'un autour de l'autre pour former une chaîne solide. La confiance est au centre car c'est l'attitude que je désire le plus vivement voir chez mes enfants. L'attente et l'espérance ornent ce filament central et renforcent le lien qui te rattache à moi. Le simple fait de t'attendre à me voir agir et de garder les yeux fixés sur moi est une preuve que tu as confiance en moi. Si tu affirmes « Je te fais confiance », alors qu'intérieurement tu cherches anxieusement une solution, ces mots sonnent creux. L'espérance est orientée vers l'avenir et te relie à ton héritage céleste. Cependant, ces bienfaits sont déjà pleinement effectifs dans le temps présent. Puisque tu m'appartiens, tu ne te contentes pas de faire passer le temps dans ma présence. Tu t'attends à quelque chose dans une espérance confiante. Garde tes capteurs en alerte afin de saisir même la plus faible lueur de ma présence. Aujourd'hui, les textes proposés à notre méditation sont tirés de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, verset 1, du livre des Psaumes, chapitre 27, verset 14, et du livre des Hébreux, chapitre 6, les versets 18 à 20. Je vous souhaite de passer une bonne journée et vous donne rendez-vous demain sur les ondes de la radio Sainte-Marie, la radio de l'espérance chrétienne.